calculer les opérations, même si on a oublié les tables de multiplication. Elle ne sait pas bien comprendre. Les hommes, 34 multipliés par 3. Qu'est-ce que je fais? Voici comment je dois faire. Nous avons 3. 1, 2, 3. Nous sommes d'accord? Nous avons 4. 1, 2, 3, 4. Multipliez par. On fait là. 1, 2, 3. Elles sont quoi? Et allons-y, comptons autour. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça fait? J'écris. Je le tiens. Elles sont d'accord. On vient là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça va bien. Plus c'est 1, 2, 3, ça fait 10. Donc 34 fois 3, ça fait 102. Elles sont quoi? Je ne connais pas la table de multiplication, mais je peux calculer mes opérations sans problème. J'ai ici 236 multiplié par 4. J'ai ici 1, 2. J'ai là 1, 2, 3. J'ai là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Multiplié par 1, 2, 3, 4. Elles sont quoi? Maintenant, on va compter. 1, et on compte où? Au niveau des raccords. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. J'écris. Je retiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Plus c'est 2 de 2, ça va bien. J'écris. Je retiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus c'est 1 de 2, ça va bien. 9. Et si vous calculez 236 fois 4, ça vous donne 1244. Est-ce qu'on voit? J'ai oublié ma table de multiplication, mais je peux trouver les opérations. Et là, je n'ai plus besoin de faire la preuve par. Parce que c'est juste. Quelqu'un donne une opération. Quelqu'un. Quelqu'un nous donne une opération. Qui va nous donner une opération rapidement? Même de une opération vous dépasse. Oui, mon ami. 150 fois 5. Regardez, 150 multiplié par 5. On va compter. 1. 1, 2, 3, 4, 5. La première combien? 0. 0 reste. Est-ce que d'accord? Multiplié par 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Est-ce que vous d'accord? Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. J'écris. Je le tiens. 1, 2, 3, 4, 5. Plus les 2 de 2, la main vient. 7. 7. Et les 0 là, ça fait 700. Celui qui fait 150 fois 5, il aura 750. Est-ce qu'on voit? Est-ce que c'est difficile? Hakuna Matata.